Il faut vraiment en fait que les gens prennent conscience qu'on doit tout simplement écouter son cœur, écouter ses envies, tu vois. Depuis 8 ans, j'ai visité 88 pays à pied, en autostop, en bateau-stop. Voilà, pour moi, l'autostop est tout simplement en fait un bon moyen de rencontrer l'habitant, aussi d'avoir un contact vraiment un peu plus personnel avec la population locale. Et aussi, des fois, ça m'arrive de beaucoup marcher à pied. J'aime beaucoup marcher, tout simplement un peu pousser un peu mes limites. Dans cette aventure, ça m'arrive beaucoup de dormir à la Belle Étoile. Pour moi, c'est vraiment une base en fait, de partir à l'aventure sans forcément avoir quelque chose d'organisé, quelque chose de construit. Et je pense que vraiment, hein, la magie du voyage s'opère dans la désorganisation. C'est vrai que ça peut faire peur un peu d'entendre ce mot-là, mais tout simplement, quand il n'y a rien de prévu, tout est possible. Une phrase que Antoine de Maximy disait, le présentateur de J'irai dormir chez vous. Mais tout simplement, c'est vrai que je trouve que Madagascar, pour faire une petite anecdote, Madagascar est le pays que j'ai le plus aimé en termes d'hospitalité. Je suis resté là-bas pendant un mois et pendant 25 jours, je me suis fait héberger par des personnes que je rencontrais comme ça, de manière naturelle, dans un trajet en bus ou en bateau ou au marché ou vraiment de manière très spontanée. Et disons que si j'avais tout simplement organisé ce voyage-là en sachant où j'allais dormir le soir, et bien tout simplement, il n'y aurait pas eu la même, en fait, le même enthousiasme et la même surprise aussi que lorsque j'ai rencontré tout simplement ces gens-là.